Yon lot fwa ankon mwen salye tout fan ak nou ak tout abone World Travel Multiservice yo. Mwen pote yon lot video ankon ki tout kout, men fwa sa se tou se sou bous d'etude gouvernement roumen. E ke mwen te fè yon premye video kote ke mwen te ba informasyon sou li, men mwen genyen plujer abone ki pose m kestyon e koman ki sa pou yo fè pou yo kapab e pou yo kapab postule pou bous sa. Et puis mwen genyen Sarah Lopez ki te pose m kestyon ki sa la bezwen pou kapab postule pou bous etid sa. Et puis mwen genyen Kent, mwen genyen Jenny Jean. Et puis mwen genyen Kent, tout moun sa yo pose m kestyon et lòt moun ankò yo pose m kestyon. Koman yo kapab fè pou yo kapab benefisye e de bous lan. Pabli yon te di ke pou nou kapab benefisye bous lan, e se pa konkou liye. Son konkou liye, donk moun ki gen meyèr dosye, se yo menm ki ap gen posibilite pou benefisye de bous sa, e m konen ke nou menm ayisyen nou vreman intelijan, lèm di ke nou vreman intelijan, sa yon diyo ke par rapport avèk e nou te fè nan examen lèn dal nan filo, bon, m konen de nou jou CNS4, e, donk, pou nou kapab monte dosye nou, premièrement, nap bezwe genyen paspor nou, nap skanerize premier page paspor, deuxièmement, wap bezwe yon foto visa, e map tou konseye nou, e, kom si, kote ki genyen spesyalist pou fè tip de foto sa yo, c'est quand monsieur Henri lui-même il fait tout type de photo visa pour n'importe qui pays parce que il gagne rien et comme si domaine ça normal et donc ça veut dire que faut nous respecter tout principe yo ça que pas besoin qu'on pas besoin scanneriser relever de notes et bac 1 monde qui était déjà comme si qui était subi bac 1 et puis relever de notes bac 2. Mais moun ki pa gen tan jwenn chans pou te subi bac 1, li pa problèm. Ou ap genyen pou skanerize et diplôme et fin d'études ou avec ou ap skanerize relevé de notes là. De ce parti de là, yo pral analyser dossier ou et que pou yo wè ki note ou te fait pendant et examen l'état ça. C'est à partir de notes ça yo et que nous pral gagner possibilité pour nous joindre et boussa. Donc qu'on y a là, ça veut dire que ça que me souhaite dire là c'est eux même qui plus important. On a besoin gagner et passeport d'abord et puis on scanner les premières pages et identité hein. Et on a besoin de photos visa pour la Roumanie, on va faire comme monsieur Henri et puis on scanneriser diplôme et baccalauréat deuxième partie fin d'études secondaire ou puis relevé de notes là. Qu'on y a là moi pral di nou encore qui ça n'a besoin que et qui ça bousse là couvrir. Il dit quel niveau d'études et bousse là lui-même les couvrir. Il dit que un monde qui n'a yon monde ka yo dit un candidat capable opter pour une dans trois cycles études ça yo. Et donc licence pour licence pour et master et puis doctorat. Donc qui langue yo va utiliser pour yo capable étudier, nous déjà connaissons la langue roumaine et que y a gain pour yo former ou quoi y a bon 1 an pour bon langue là gratis. Et puis yo dit que encore qui ça que ou va gagner pour besoin pour soumettre candidature. Donc, yo dit dossier candidature yo ou gagne pour voyer sur plateforme Study in Romania. A dit étudier en Roumanie en français. Donc ça veut dire que lorsque moi t'ai quitté l'inclan et que pour les nous parle et sur plateforme non, t'ai quitté l'inclan pour rentrer sur plateforme qui c'est https://studyinromania.gov.ro et puis l'on clique sur le bouton ça il va diriger en dans plateforme là et là ça qu'on va créer un compte et puis pour créer profil ou
Et puis, lorsque vous finissez faire tout ça, vous pouvez postuler pour Bourse MAE. Donc, Bourse MAE, c'est toujours le même bac. Vous pouvez aller dans http://scholarship.studyinromania.gov.ro. C'est https://scholarship.studyinromania.gov.ro. Donc c'est sous et là ou pral l'offre créer contenant ou pral entrer sous lit et que pour commencer télécharger document yo. Yo dit dossier qui est complet yo. OK, dossier qui est complet yo, yo pas recevoir yo. Et puis yo dit comme ça dossier qui soumis par candidat yo directement dans bureau central ministère affaires étrangères ou bien ministère éducation nationale ou bien yo adresse électronique employé et MAE ou bien département central MAE ou bien adresse physique et ou électronique mission diplomatique ou mettre en étranger yo pas prendre en considération. C'est directement ou doit al postuler sous plateforme nan. Donc l'offre créer compte sous https://studyinromania.gov.ro là ou fin créer compte. Et après, vous pouvez postuler sur https://scholarships.studyinromania.gov.ro. Et là, vous pouvez entrer pour capable et compléter avec question que vous pouvez poser, nom, prénom, date de naissance, et nom qui est l'école là. Et puis, il y a une bonne possibilité pour télécharger documents qui sont importants. Ça que me sorte dire là si on passe directement dans bureau central ministère affaires étrangères ou bien ministère éducation nationale ou bien on voit elle par adresse électronique ou bien physiquement on va le porter aller yo pas prendre en considération c'est sauf et candidature qui yo voyer sur plateforme là il a considéré pour yo analyser yo dit calendrier inscription a sorti l'a commencé depuis 20 décembre qui passé hein et date limite pour fermer et candidature là c'est 15 mars 2022. Yo dit document pour nous document que yo mandé pour remplir. Yo dit chaque candidat doit créer un compte personnel sur plateforme là qui c'est Study in Romania. Il a rempli toutes données yo et il va télécharger et respectivement technique yo indiqué yo en document ça yo. Qui document ça vous demandé copie des diplômes que ou te gagné ça veut dire que et diplôme baccalauréat ou bien un monde qui nan qui par exemple qui nan deuxième cycle troisième cycle les ça connait là ou pral gagner et pour bail document ou te gagné ou t'app apprendre ou te qui commencer nan so t'app étudier yo dit document ça yo et traduction qui est autorisée c'est dans langue ça anglaise, française, espagnol ou bien dans roumain. Ça veut dire que nous déjà connaissons nous son pays qui bilingue nous-mêmes, nous pas de problème à ça. Après ça on a besoin de copier relevé de notes yo, ça comme tu dis hein. On a besoin de copier acte de naissance ou et puis on a besoin de copier 3 premières pages passeport et ou bien carte identité ou ou a besoin gagner yon CV qui rempli soit en anglais ou bien en français et puis pardon ou a besoin en lettre pour expliquer raison qui fait ou postuler.